Oh, bonjour. You are a bit late, aren't you? It's all right, please take a seat. We were waiting for you to begin. So I believe everyone is here now. All right, so it is your very first French lesson, right? Parfait. So today we are going to learn a few things about the French language, including the pronunciation, a few basic words and phrases, and how to count. And it looks like it's already enough for a first day. All right, so let's begin with a bit of history. So, as you may know, France is a Western European country, and French is the official language, even if there are many other regional languages. French is a Romance language that derives from Latin, as for other languages in Europe, like Italian, Spanish, or Portuguese. French is also spoken in some parts of different countries like Belgium, Switzerland, Canada, and many others. Feel free to take some notes, of course. Alright, now let's dive in and have a look at the French alphabet. It is the same as the English one, but only a few letters are pronounced the same way. Actually, even if many words might seem similar between French and English, the pronunciation is different in most cases. So, let's begin. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. I know this one is not easy. R, S, T, U, W, X, Y, Y, and Z. Alright? So now we are going to learn a few basic phrases you might need if you ever go to France
or any other area where French is spoken. Alright, excellent. Of course, the first word you're supposed to know, you heard it when I welcomed you. It's bonjour. Bonjour. This means hello. Bonjour. Let's write it. So, bonjour is what you will say during the day, and bonsoir is what you will say in the evening. Bonjour, good day. Bonsoir, good evening. Right? Bonjour, bonsoir. And then you might want to introduce yourself. Let me introduce myself to you. Bonjour, je m'appelle Diane. Je m'appelle Diane. Let's write it. Je m'appelle Diane. My name is Diane. You can say it in a simpler way if you want. Je suis Diane. I am Diane. All right? Je m'appelle. Je suis. All right? Excellent. Now let's learn a few other basic phrases. So, let's write them. You
S'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. This literally means if it pleases you. S'il vous plaît. And if you speak to a friend, you will say s'il te plaît. This is one of the main differences between English and French. In English, you will use you, whoever you speak to. In French, you will use vous if you speak to someone you're not very familiar with. And you will use tu if you speak to a friend, your brother, or your cat. Alright? S'il vous plaît. Please. Merci. Thank you. Merci. Can you say it? Excellent. Merci. D'accord. All right. D'accord. D'accord. All right. Bien sûr. Of course. Sure. Bien sûr. Bien sûr. And of course, you have to be able to say yes and no. Oui, non. And there we raise one of the main aspects of French pronunciation that relates to nasalization, meaning you will have to pronounce this sound through your nose. Non. Can you try it? Non. Oui. Non. Right. And one last you will need when you take your leave. This is au revoir. Au revoir. Goodbye. Au revoir. D'accord? All right. Excellent. So now we are going to learn how to count till 20 in French. And for this, we will use both the board and an abacus. D'accord? So let's write the numbers first. So there we have the numbers from 1, 1, to 20, 20. Now let's see how we pronounce these. Cinq, six,
neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Dix-huit, dix-neuf, vingt. And then if you want to count above 20, it's quite simple because it's the same principle as in English. Vingt, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, and so on until 30. And then it's the same. Trente et un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, 36, 37, 38, 39, 40, and so on. We are not going to go too deep with that today, but just keep this in a corner of your mind. All right? Alright, you're doing great. For the last part, let's move to something a little bit more playful. So, we are going to learn a few words, and for this, I will use both pictures and numbers. So, I will pick a token in my little box and we will see what picture and word this will give us. D'accord? So, let's start with the first token. Quarante-sept, quarante-sept. So, let's see. Un oiseau, oiseau. O, I, S, E. Oiseau. Next one. Douze. Douze. Une montre, montre, M-O-N-T-R-E, montre. Can you say it? Excellent.
Cinq. Cinq. Un chat. 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 Deux. Une fleur. Fleur. F L E U R. Fleur. Soixante-quatorze. Soixante-quatorze. Can you see it? Corset. Parfait. Trente-cinq. First one. Une maison. Maison. M A I S O N. Maison. One last. Soixante-dix-neuf. Soixante-dix-neuf. You're doing great. So that's it for today. But before you leave, I will just make a bit of reading in French. Language immersion is the best way to learn foreign language. And even if you don't understand what I'm going to read, it will accustom your ears to the pronunciation. So let's choose a book.
this one will be perfect. It's a warm book because I used to read it a lot when I was a child. It's called Claire à la ville. Claire à la ville. Claire in town. So I will read the first chapter only, and feel free to fall asleep if you wish to. Your brain will still be able to learn. D'accord? Assise sur un petit tabouret, sa tête dans ses mains, Claire, toute triste, regarde en l'air, vaguement. La chambre est jolie et gaie avec ses tentures légères et ses meubles clairs. Un large rayon de soleil, qui passe par les persiennes entrouvertes, enveloppe Claire comme pour la réconforter et l'égayer. Les mille bruits d'hiver de la ville au travail arrivent à ses oreilles, mêlés aux cris des oiseaux des arbres du jardin. Maman, de son pas alerte et léger qui résonne sur le parquet, va et vient dans la chambre. Une jolie chatte grise, aux yeux très doux et dont la queue touffue frissonne en signe de joie, se frôle au mur et au pied de la table, en quête d'une caresse. Claire n'entend pas les bruits joyeux et ne voit pas la chatte. Machinalement, elle suit des yeux les gestes de maman, qui range au fond de l'armoire une demi-douzaine de grands tabliers noirs, les tabliers que Claire portait autrefois. Claire, vue de loin, n'est plus la même petite fille. Quelques semaines passées à la ville l'ont métamorphosée en une correcte et charmante fillette. Elle a une robe à grands carreaux bleus et blancs, serrée à la taille par une large ceinture de cuir blanc. Ses cheveux, ses grands cheveux qui pendaient jadis en mèches déplorables, sont maintenant nattés avec soin, retenus en haut et en bas par un beau ruban bleu. Sur son front, ses cheveux en franges sont coupés bien régulièrement. Malgré sa tristesse, Claire est fière de sa transformation, et c'est avec une grande complaisance qu'elle regarde ses bottines jaunes. Enfin, elle dit « Alors, je ne les mettrai plus, mes grands tabliers noirs ?»« Mais si, le soir, quand tu rentreras de l'école, ils préserveront ta robe pendant que tu joueras et que tu feras tes devoirs. » Claire n'a pas d'objection à faire, c'est très bien, tout est très bien. Elle accepte tout et se résigne. Malgré sa robe bien faite, ses bottines jaunes et ses cheveux en franges, Claire, si on la regarde de près, est bien la même petite fille que nous avons connue jadis à Florissac. Ce sont bien ses mêmes yeux vagues et étonnés qui lui donnent l'air d'être perpétuellement dans la lune. C'est bien son nez sur lequel on n'a rien à dire, c'est bien sa bouche un peu grande à la lèvre supérieure trop courte et qui découvre les dents. Ce sont bien ses longs bras, ses longues jambes qui lui ont fait donner par son papa ce joli surnom. L'araignée. Maman ouvre et ferme des tiroirs, range les affaires de Claire. Voilà tes mouchoirs, tes bas, tes jupons. Claire, écoute donc. Tes chemises, tes pantalons. Claire, où es-tu? Regarde par ici. Et maman recommence son explication avec patience. Je désire que ma petite fille fasse bien attention à la façon dont toutes ces choses sont rangées. En apprenant à mettre de l'ordre dans ce coin d'armoire, elle apprendra à en mettre partout. Comme c'est bien dit, pense Claire, qui suit maintenant les gestes de maman avec un peu plus d'intérêt et dont les yeux brillent un peu. Maman quitte la chambre et Claire reste seule sur son petit tabouret. Elle se lève, s'approche de l'armoire, l'ouvre et comme elle aime à se rendre compte, elle touche, enlève, remet en place bien soigneusement les chemises, les pantalons et les bas. Quand elle a bien tapoté, arrangé son linge fait d'états bien égaux, quand elle s'est assurée qu'aucun pli ne dépasse et qu'une stricte symétrie règne dans son coin d'armoire, elle le regarde avec plus de complaisance, car il lui semble qu'elle a mis là un peu d'elle-même. Très contente, elle retourne à son petit tabouret. Mais Claire oublie vite cette satisfaction passagère, anxieuse. Elle songe au passé, interroge l'avenir, les yeux au plafond.
Claire est à la ville pour toujours. Fini les gâteries de grand-mère et de cette bonne Rosine. Fini les veillées au coin du feu dans la grande cheminée, les poupées de Mathieu, les courses folles. Fini les jeux endiablés, les visites aux granges, les promenades dans les champs et dans les bois. Fini les bonnes journées passées à l'école, les fêtes du village. Claire n'entendra plus l'enclume du forgeron, les cris si divers des bêtes, le bruit du ruisseau. C'en est fini de tous ces menus faits et événements qui avaient pour elle une si grande importance et qui enchantèrent sa vie pendant de trop courtes années. Claire est à la ville pour toujours. Papa et maman ont réclamé leur fille. Papa veut l'instruire. Maman veut l'élever à sa guise. Il doit y avoir partout des choses drôles, amusantes et intéressantes, du plaisir à faire et du plaisir à avoir. Dès ce soir, je vais me mettre à la recherche de distractions et je verrai bien si je ne parviens pas à faire fuir l'ennui, à ramener la gaieté et les éclats de rire. Depuis 15 jours, je pleure et je regrette Fleursac. C'est trop. Je fais de la peine à tout le monde ici avec ma mine longue. Claire, ayant terminé ses philosophiques réflexions, se lève d'un bond, contemple dans la glace sa longue et vigoureuse petite personne si bien habillée, si pimpante. Puis elle pirouette sur ses talons et s'enfuit explorer sa nouvelle demeure en quête de distraction et de joie future. Claire fit d'heureuses découvertes. Vous le verrez par la suite. Comme elle le disait tout à l'heure, la joie et le bonheur sont dans les moindres choses. Il s'agit de les découvrir. Pour cela, il faut, comme Claire, savoir rester simple, ne rien dédaigner, aimer tout ce que l'on fait et surtout ne pas être comblé de trop beaux jouets qui gâtent souvent le plaisir que l'on a à s'amuser. Parce qu'ils ne vous laissent rien à chercher, à découvrir. Claire sait se contenter de peu et être plus heureuse qu'une reine.